What a Trip, c'est le festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier. Ça consiste à une compétition officielle de films avec des projections rencontres, des prix qui sont décernés, mais aussi et surtout tous les aspects de la culture du voyage. Donc derrière, on a des expositions, des conférences, des ateliers, des concerts sur une grande scène installée en plein cœur de Montpellier. Pourquoi un partenariat avec IZEFAC? C'est parce qu'on est un événement, on est un gros événement de Montpellier, on est un festival et qu'il était tout naturel qu'on crée un partenariat avec cette école parce que voilà, il y a des formations qui sont proposées qui correspondent tout à fait avec les différents aspects de notre événement. Donc il était tout à fait naturel qu'une école d'événementiel soit partenaire du festival. Les étudiants de l'IZEFAC ont pris part à l'organisation du festival par plusieurs projets, donc déjà des team agencies, lors desquels ils ont dû mettre en place la cérémonie d'ouverture du festival, des animations dans le village avec un budget, choses qui ont été réalisées sur le festival 2018. On a également intégré deux stagiaires dans notre équipe pendant 2 mois. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'impliquer au maximum l'école dans la vie du festival. Je m'occupe du pôle presse, on accueille les journalistes, tout ce qui est presse, on leur donne nos accréditations, on leur donne des sacs, comme ceci, où ils ont plein de goodies dedans pour toute la durée du festival. On fait des interviews sur le plateau Aviva qui est à l'entrée, et on fait aussi des dédicaces. À IZEFAC, la formation était que m'apprenait à créer tout type d'événements, que ce soit culturel, sportif, d'entreprise, etc. Moi je suis plus basée sur le culturel et donc quoi de mieux qu'aider à organiser un festival culturel. Donc ça m'a appris à mettre en pratique les théories qu'on a apprises à l'école. C'est en plein dans la formation, chef de projet événementiel, c'est aussi gérer le festival. Romain était notre professeur, on l'a suivi un peu toute l'année et là c'est totalement ce qu'on peut apprendre à IZEFAC et là on le voit en réel.